Quelques 100 000 Russes pourraient être évacués en raison des inondations qui frappent l'extrême-orient du pays. L'état de catastrophe naturelle est déclaré notamment dans les régions de l'Amour et de Khabarovsk, les plus touchées en raison des pluies diluviennes et des rivières en crue. Oui. Personnes ont déjà trouvé refuge dans des écoles et des salles de fête transformées en centres d'hébergement temporaire. Au cours d'une rencontre sur le terrain avec des habitants, le ministre du Développement régional a dit souhaiter que les opérations de secours et les travaux de déblaiement soient terminés d'ici la fin du mois en vue de la rentrée scolaire début septembre. Les forces armées sont mobilisées pour participer aux opérations de secours, mais aussi pour fournir de l'eau potable et de la nourriture aux sinistrés.